Le cours de musique de chambre baroque est donné par Marie-Claire Béton, violiste et flûtiste à bec, et Sophie Zimmermann, claveciniste. Il vise à pouvoir interpréter des œuvres de musique de chambre de l'époque baroque et les remettre dans leur contexte harmonique. En effet, ces œuvres-là étaient écrites pour des voix de dessus, qui peuvent être pour un chanteur, un violoniste, un flûtiste à bec ou un hautboïste, et un continuo. Le continuo, c'est tout ce qui comporte la ligne de basse et les harmonies qui se mettent au-dessus. Nous avons remarqué qu'une voix tirée de son contexte, comme en français une phrase retirée de son contexte, comme la glace fond, est très difficile à interpréter. Comment savoir s'il s'agit de la calotte glaciaire, d'une glace dans une coupe à manger en été, ou de la glace symbolique entre deux personnes qui se connaissent mal? C'est difficile. De même façon, en musique, quand une phrase est sortie de son contexte harmonique, c'est difficile de savoir quelles étaient les intentions du compositeur lorsqu'il l'a écrite. Nous allons donc remettre toutes ces phrases mélodiques dans leur contexte harmonique avec le continuo que nous pourrons jouer à la viole de gamme et au clavecin pour, avec vous, vous accompagner dans l'interprétation de ces pièces. Voilà, donc ce cours est adressé principalement à des élèves avancés qui désirent comprendre un peu plus précisément le langage baroque. Comme a expliqué Sophie, ce langage qui dépend beaucoup donc, de l'harmonie et de ce duo de continuo. Mais on va aussi beaucoup travailler toute l'interprétation mélodique pour les violons, les flûtes, parce que dans la partition, beaucoup de choses ne sont pas notées. Il y a beaucoup de choses qui étaient interprétées selon une tradition. Les indications figurent dans certains traités, mais pas directement dans la partition. Donc, on pourra aborder aussi tout le travail de l'ornementation, qui permettra de vraiment donner à ce répertoire sa vraie lumière ou son langage complet. On va aboutir avec ce projet sur une prestation publique. Ce serait aussi l'occasion pour quelqu'un qui veut préparer un certificat de préparer une pièce baroque dans ce cadre-là.